increasingly large parts of the city are entirely privately owned, privately controlled, run by private companies, policed by private security, 24-hour CCTV, and a whole range of behaviors are banned. From the seemingly innocuous, like skateboarding or rollerblading, even eating and drinking in some places, to filming, no taking of photographs, and absolutely critical, no political protest. Ces dernières années en Europe, du nord au sud, de l'Allemagne à la Grèce, en passant par l'Italie, l'Espagne ou la Turquie, des milliers d'habitants descendent dans la rue pour défendre leurs droits, faire entendre leur voix. Ils occupent les places, arpentent les avenues, afin de contester les pouvoirs, remettre en cause la représentation politique. De plus en plus, ils se mobilisent aussi pour défendre leurs droits à l'espace urbain, espace de contestation, espace de vie. Ils revendiquent plus de démocratie et dénoncent une manière de concevoir la ville dont ils se sentent exclus. Diese Nachricht geht an Hamburg und Burgos in Spanien, weil dort auch gerade die Hütte brennt. Dear comrades in Hamburg, one day we are in the barricades of Tucson. Next day we gather in Hamburg. Resist Hamburg, Istanbul is with you. Quels sont les nouveaux acteurs de la fabrique de la ville? Les pouvoirs publics sont-ils encore garants d'une ville ouverte et accessible? Qu'en est-il de la démocratie urbaine aujourd'hui? Les habitants ont-ils leur mot à dire face aux technocrates, aux politiques, aux urbanistes, aux promoteurs qui dessinent et façonnent nos villes? La ville est faite de toute une série de gens venus d'on ne sait pas trop où, mais c'est pas grave, ils sont les bienvenus, ils sont chez eux, parce que c'est ça le propre de la ville. Et une ville qui n'a plus cet esprit-là n'est plus une ville. Elle est un regroupement qui ne permet plus justement la multiplicité des rencontres et surtout la confrontation de soi avec l'autre. L'espace public, il est indispensable, parce qu'il est fluide. C'est lui qui permet les transitions, c'est lui qui fait les liens. Un espace public, il n'est pas là pour fermer, il est là pour ouvrir. Copenhague fait partie de ces villes en Europe qui se sont emparées de la question des espaces publics pour inventer des espaces ouverts, accessibles, fluides, pluriels. Dans les années 60, la ville était traversée par une autoroute dépourvue de toute rue piétonne, quadrillée d'immenses parkings. Les espaces publics ont été créés, chéris, défendus par Jan Gehl, dans une intime collaboration durant 4 décennies entre l'urbaniste et une puissance publique forte et volontaire. D'une certaine façon, il s'est créé une école de pensée, l'école de Copenhague, qui s'intéresse à ce sujet. 3 éléments entrent en ligne de compte. La vie en ville, la vie en ville, la vie en ville. Le point de départ de notre réflexion doit se baser sur les 5 sens. Jusqu'où nos yeux peuvent-ils voir? Quel est notre angle de vue? À quelle distance se place-t-on pour parler avec les autres? Comment se déplace-t-on? À quelle vitesse? Jan Gehl a créé plusieurs centres-villes européens, revisité Regent Street à Londres, mais aussi les centres-villes de Lille, Brighton, Malmö. Il travaille dans le monde entier à la recherche de l'espace public à l'échelle humaine, avec des villes qui ont les moyens de réaliser leur rêve d'aménagement urbain. Il existe ce que j'appelle les villes à l'architecture à 5 km/h, comme à Venise par exemple. C'est le cas des villes anciennes réalisées à l'échelle humaine, en utilisant l'expérience transmise depuis des siècles pour la construction de lieux respectueux des gens. C'est l'échelle humaine pour moi.
Dans nos sociétés, les gens ont besoin de se rencontrer, de se retrouver afin de faire partie de la société. Nous en avons besoin aussi pour le bon fonctionnement de la démocratie. L'espace public est toujours un espace où convergent des intérêts très différents. C'est problématique quand les intérêts particuliers et les mécanismes empêchent, limitent l'accessibilité et la diversité des usages de ces espaces. L'espace public qui est privatisé est d'une certaine façon le recul de ce qui était le propre de la ville, c'est-à-dire le fait d'être composite. This is a private area. All this place, you see where the bollards are, those iron things. Anything you do inside, we have to ask you why. This is like the stock exchange. Merrill Lynch, and that is Goldman's. These are high-risk buildings because they are financial buildings. So when you're taking the pictures like that, we really want to know why, and that's why we're here. We either move you on, or we get the police. We're just being careful. It's how the world is now. Everywhere you go now, people looking at people, people suspicious of everyone, and that's how we live now. It's not my fault. But it's not a free world anymore. Paternoster Square, cette place qui concentre la finance mondiale, est un espace privé et surveillé. Il est resté fermé aux indignés londoniens à l'automne 2011. Les dizaines de tentes des protestataires sont finalement plantées en bordure de la place, juste à côté, sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul, le seul lieu accessible pour ceux qui cherchent à occuper le cœur de la city. Si vous vous rappelez du mouvement Occupy, au début il s'appelait Occupy London Stock Exchange, dit Occupy LSX, parce qu'il voulait protester devant la bourse de Londres. Mais la bourse est située à Paternoster Square. Cette place est un espace privé, contrôlé, juste derrière la cathédrale Saint-Paul. Donc, il leur fut impossible d'aller là-bas. Et en réalité, ce qui en ressort, c'est que l'ensemble de la ville de Londres est une série d'enclaves d'espaces privatisés contrôlés par le privé. D'ailleurs, cet espace devant la cathédrale Saint-Paul est en fait le seul véritable espace public de toute la city. Les rues de Londres n'ont pas toujours été publiques. Ce que nous ne voyons pas dans ces places géorgiennes, construites au XVIIIe et au début du XIXe siècle, c'est qu'elles étaient déjà entourées de protections de haute sécurité. Et le simple londonien, le grand public, n'était pas autorisé à pénétrer dans ces espaces. C'est seulement lorsque les autorités locales et la démocratie locale ont eu plus de pouvoir qu'il y a eu d'énormes protestations publiques contre la fermeture et le cloisonnement de ces espaces. Et ce que l'on observe en ce moment à Londres et dans d'autres villes de Grande-Bretagne, c'est que cette difficile victoire démocratique est en train de régresser. Donc, comment a-t-on pu perdre cette victoire démocratique? En fait, personne n'était vraiment conscient de ce qui était en train de se passer. Les gens ne savaient rien des changements en cours, bien sûr, qui allaient leur dire. Nous avons donc glissé insidieusement vers cette privatisation de l'espace public, tel des somnambules. Lancée en 1988, en plein tournant libéral, Canary Wharf est à l'époque le plus grand chantier d'Angleterre. Construit sur l'ancien quartier des docks désaffectés, il est le premier espace accessible au public, mais construit et géré par le privé. Le Royaume-Uni est précurseur en Europe d'une nouvelle façon de faire la ville.
Tout commence avec les Docklands et Canary Wharf. Au milieu des années 80, nous avons vécu un véritable Big Bang avec la dérégulation de la finance à Londres. Et cela initia le besoin de nouveaux types d'espaces pour héberger ces énormes banques nouvellement créées et leurs gigantesques salles des marchés. Ces banques recherchaient un nouveau type d'espace pour s'installer. Les Docklands, ces anciens quais qui s'étendaient vides et complètement désertés, avaient besoin d'être réhabilités. Ils offraient une opportunité parfaite pour ça. Ce fut le premier espace privé à grande échelle au Royaume-Uni. Le bâti, les tours et les trois moules de Canary Wharf, mais aussi les rues, les parcs et les promenades de ce quartier, dessinés par des banquiers pour des banquiers, sont gérés par un consortium d'investisseurs mené par Morgan Stanley et plus récemment un fonds qatari. Le quartier a son propre règlement intérieur, les rondes motorisées des services de sécurité et l'omniprésence des caméras de surveillance contrôlent qu'il soit respecté 24 heures sur 24. Un nouveau modèle de ville s'invente. Depuis, l'enjeu principal, c'est qu'on a commencé à construire ce modèle de ville partout. Un modèle qui correspondait aux besoins de la finance. Plusieurs tronçons des bords de la Tamise sont en phase de privatisation. Le revêtement lisse de More London, espace urbain privé, est accompagné de sa litanie de réglementations anti-SDF, anti-cyclistes, anti-artistes de rue, anti-skateurs. Le bâtiment ovoïde de la mairie de Londres est littéralement encerclé par ses 280 000 m² d'espace privé. La mairie est cernée et n'a plus guère d'autre choix que de prôner les partenariats publics-privés. De plus en plus, les autorités locales ont des budgets serrés. Il y a de moins en moins d'argent. Et nous devons contrôler nos budgets très attentivement et dépenser cet argent avec prudence. Donc, notre argument auprès des promoteurs, c'est de leur dire que c'est dans leur propre intérêt d'avoir des espaces publics de bonne qualité autour de leurs immeubles. Car le niveau des loyers augmente si les espaces publics sont bien faits. Et nous, nous nous assurons qu'ils ne sont pas fermés. Les promoteurs doivent les entretenir et les laisser accessibles à tous. C'est une façon d'être sûr que nous avons une très bonne qualité d'espace public, et j'insiste, un espace public de très haute qualité, mais entretenu et financé par le secteur privé, et nous, nous pensons que c'est une bonne façon d'avancer. Les services publics britanniques sont toujours plus curieux de nouvelles combinatoires de partenariats publics-privés. Londres s'inspire de la ville nord-américaine au début des années 2000 avec un nouvel outil importé du Canada, le BID, le Business Improvement District. Par ce mécanisme, la ville de Londres cède au privé une partie de sa gouvernance pour certaines rues, places et de plus en plus, quartiers entiers. Right, no problems. How are you today? Good, good. I'm glad everything's going okay. And the rubbish has been collected well? Yeah. Fantastic. Okay, because that has improved. Since we've been working on St John Street, I think the area's got a bit better. We've had less complaints. So there's been no problems outside the premises at the moment? No issues? No, all good. Absolutely fine. No, and we're always so pleased that the pavements are so beautifully cleaned, as you know, regularly. Yeah, they are. Dans le quartier d'Angel, on s'organise entre commerçants. Les BID sont composés des entreprises du quartier qui paient une taxe à hauteur de 1% de leurs revenus annuels. Ils ont ainsi le loisir de décider de la couleur du pavé des rues, de l'usage des espaces publics pour l'organisation d'événements commerciaux ou du nombre de policiers supplémentaires patrouillant sur leur territoire. Dans la ville aux 500 000 caméras de surveillance, un nouvel instrument sécuritaire se met en place. Christine Levette, la directrice du BID du quartier d'Angel, sous des allures de maire d'arrondissement, réglemente et fait sa ronde.
Les commerçants m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus supporter un tel niveau de délinquance. On a des gens qui font du vélo sur les trottoirs, qui collent des affiches sans autorisation, qui entrent dans les magasins pour voler. On a des mendiants, on a des drogués. Mais la police ne réagit pas. Comme toutes les autorités locales, ils n'ont pas beaucoup de budget. Quand nous voulons faire quelque chose dans un endroit précis, c'est nous qui choisissons de paver les trottoirs. C'est nous qui mettons en place des barrières pour que cet endroit soit sûr et charmant. Nous avons fait cela car nous sommes convaincus que cela améliore l'espace public et prévient la criminalité. Donc j'ai eu la bonne idée de créer un BID fondé sur la sécurité avant tout. Nos valeurs sont plus de sécurité, plus de propreté, plus attrayant. Beggars? No beggars. And you've been ringing the police team? Nope, fine. On a fait du bon travail ici parce qu'ils nous disent tout. Ils sont nos yeux et nos oreilles. Ils nous disent ce qui se passe, c'est magnifique. S'il y a des mendiants, des gens qui causent des problèmes, s'il y a du commerce de rue illégal, ils appellent d'abord la police et puis ils m'appellent, moi. See you later. Thank you. You look great, of course you are. See you later and thank you. Bye. Cette équipe est très efficace. Ils travaillent parfois sans uniforme, en civil. Ils utilisent beaucoup la vidéosurveillance. Nous avons un super reconnaisseur facial qui a une mémoire visuelle incroyable. Moi, je ne reconnais personne, mais cet officier de police reconnaît immédiatement quelqu'un qui revient dans le quartier, le suit et la plupart du temps le prend en flagrant délit de récidive de vol. We track with the radio shoplifters and other undesirable people walking from shop to shop so we can keep track of them until the police arrive. The police are really responsive, our police team in particular. They're very gung-ho, so they tend to react with speed and vigour, I guess, is a good way of saying it. They're happy to arrest rather than caution. The improvement here has been fantastic. From hanging flower baskets to Christmas lights to the police to, well, all manner of things. It's given us clout. L'élément clé de tout cela, c'est que les habitants n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont le BID est géré. Cette vision de la ville comme un espace essentiellement fait pour l'investissement considère l'espace avant tout comme un produit. Comment tirer le maximum de profit à partir de cet espace? Voilà comment le Business Improvement District considère les choses. Ce qui compte, ce sont exclusivement les bénéfices. Ils veulent que l'espace soit propre et sûr. Pourquoi veulent-ils garder l'espace propre et sûr? Parce qu'ils croient que cela va créer un environnement qui ressemble à un shopping mall, que cela va encourager la consommation et générer plus d'argent dans le quartier. Les BID sont en vogue à Londres. Le maire a pour objectif de passer de 41 BID à 50 à l'horizon 2016. La taxe payée par les membres des BID à l'échelle de la ville est de 20 millions de pounds, environ 26 millions d'euros. Aujourd'hui, et de façon accrue depuis 2008, la ville européenne change de visage. Les villes cèdent une partie de leurs prérogatives en matière d'urbanisme. Des quartiers entiers sont désormais conçus, aménagés, entretenus par des opérateurs privés. Ces quartiers sont livrés clé en main aux mairies exsangues. Pour quel espace urbain? La rénovation urbaine aujourd'hui coûte tellement cher que aujourd'hui, les acteurs publics ont besoin des acteurs privés pour monter, pour prendre le risque. Je pense à notamment à l'opération Bercy Village, également, qui est montée à la fin des années 90, où vous avez une rue, comme on pourrait avoir la rue dans un ancien village, bordée de terrasses et de cafés. Et tout cet espace, en fait, qui appartenait à la ville de Paris, sur les anciens entrepôts vinicoles de Paris, les chais ont été transformés en espaces commerciaux et sont aujourd'hui la propriété d'une grande foncière qui est Altarea. En Europe, des morceaux de ville sont ainsi conçus comme de véritables centres commerciaux à ciel ouvert, avec les services afférents. Le sol de la ville se privatise. Le piéton devient unique consommateur, tout autre usage étant proscrit, et la ville est une marchandise que l'on consomme.
qui sont les acquéreurs, qui sont les propriétaires de la ville. Et en ce sens, quand on parle de privatisation des espaces publics, on parle bien de nouveaux propriétaires qui sont des acteurs privés. Et là, on voit l'émergence, depuis une bonne trentaine d'années, de ces fonds d'investissement qui sont cotés, dont l'activité majeure, c'est de développer des zones urbaines, de développer des produits immobiliers et de les louer. En termes urbanistiques, on va avoir, somme toute, une standardisation des produits. Frédéric Bonnet est architecte urbaniste. Lauréat du Grand Prix d'urbanisme 2014, il défend avec force et conviction la notion d'espace public dans son travail. L'agence de Frédéric Bonnet travaille aujourd'hui à Lyon sur la parcelle d'un site de 700 hectares à Gerland. Un paysage industriel se transforme en quartier résidentiel et d'activité. On a créé une rue. L'urbaniste et son associé Marc Bigarnet conseillent la ville de Lyon sur la création de ce nouveau quartier, mais ont peu de chances de pouvoir peser sur les décisions finales. L'une des parcelles sera aménagée par son propriétaire, Ginko, un fonds de pension suisse. C'est sa meilleure passe, c'est-à-dire que la capacité financière de la collectivité pour fabriquer l'espace public, elle se restreint beaucoup. Évidemment, le quartier a une identité, il a un passé. En fait, il y a des habitants qui sont très attachés. En fait, puis il y a quand même quelque part une spécificité, une grande richesse en fait de ce quartier qui est en train petit à petit de se banaliser et de se perdre. Ce que ce quartier il illustre un paradoxe, c'est-à-dire quand une métropole est vertueuse, quoi, en gros, c'est-à-dire qu'elle fait des efforts pour aménager sa ville, en investissant sur les transports, en ayant des politiques de qualitatives, quoi, pour renouveler en fait la ville, ça s'accompagne d'une valorisation urbaine, qualitative, mais ça s'accompagne aussi d'une valorisation financière. Et évidemment, parce qu'il y a valorisation financière, mais très importante, hein, les terrains valent plusieurs centaines d'euros, 600 euros le mètre carré de terrain constructible, il y a des phénomènes spéculatifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le métier, c'est pas de faire de la ville, mais c'est plutôt de gagner de l'argent, deviennent des acteurs clés. Les effets pervers, c'est que tout ça favorise en fait un renchérissement global des terrains et donc rend plus difficile les politiques publiques qui cherchent à équilibrer notamment les programmes pour qu'il y ait plus de diversité, plus d'accessibilité pour des gens qui ont moins d'argent, etc. Ça veut dire que tous les prix montent, quoi. C'est-à-dire que la ville coûte beaucoup plus cher à fabriquer qu'elle devrait. Et que celui qui s'en tire le mieux, c'est le propriétaire qui vend son terrain. Une mairie qui a des exigences de qualité d'espace public, d'accessibilité, de gratuité, doit savoir s'imposer face au propriétaire aménageur qui n'a pas les mêmes priorités. Parmi ces nouveaux acteurs qui n'ont aucune pratique de la ville, les grands groupes de distribution européens s'imposent, comme Tesco en Angleterre, et ses mini-villages Tesco, ville clone en périphérie de Londres, avec leurs écoles Tesco, piscine Tesco, parc Tesco, architecture anti-SDF Tesco. Le centre commercial, point névralgique, est situé au cœur du quartier. IKEA est un nouvel acteur urbain d'importance sur le marché. L'enseigne suédoise, qui domine largement les intérieurs européens, développe des stratégies pour créer des morceaux de ville en Europe. De la bibliothèque Billy au quartier en kit, l'uniformisation IKEA gagne nos villes. IKEA a créé sa propre filiale immobilière, Landprop, et devient aménageur. Financé de 3% sur les 28 milliards d'euros de bénéfices annuels de l'enseigne, Landprop a investi dans la création de quartiers de bureaux en Belgique et en Pologne. Aujourd'hui à Londres, elle aménage un nouveau quartier, Strandist, une parcelle de 10 hectares d'anciennes friches industrielles acquise pour 32 millions d'euros. Cet éco-quartier piéton high-tech avec 1200 habitations, des bureaux, des crèches, un centre médical, des hôtels, a su séduire la mairie de Londres. Dans cette tentation d'IKEA de régir la ville sous tous ses aspects, l'intérêt général sera-t-il respecté? Question encore ouverte à l'heure du chantier. La firme est très offensive et convoite les cœurs de ville. Pour la première fois au monde, l'enseigne quitte la périphérie. Elle inaugure à Hambourg son premier magasin construit en centre-ville avec la bénédiction du maire. Le deal avec la mairie est simple.
La parcelle est obtenue en échange de la rénovation de la place et des trottoirs qui jouxtent le magasin. IKEA investit à hauteur de 80 millions d'euros. En cédant cette parcelle du centre-ville à IKEA, pour la mairie, c'est la promesse de la régénération d'un quartier entier. Wir erleben gegenwärtig einen großen Trend zur Urbanisierung. Die Familien, die Männer und Frauen, viele ziehen in die Städte, weil sie sich dort ein schönes Leben versprechen und Hoffnung auf ein besseres Leben damit verbinden. Dass jetzt die Kaufhäuser das auch machen, das ist eine gute Entwicklung, die ich ausdrücklich unterstützen möchte. IKEA ist eine konkrete Bedrohung für die Unerwünschten ohne Kaufkraft in Altona Altstadt, die dem Entwicklungsplan westliche Innenstadt im Wege sind. Wir haben eine andere, eine solidarische, eine an den hier lebenden Menschen und ihren Bedürfnissen orientierte Vorstellung der Stadt. Und wir müssen jetzt beginnen, diese Vorstellung unserer Stadt in Altona gegen die Folgen der Ansiedlung von IKEA zu verteidigen. Des discussions ont été riches et longues avec l'arrondissement, avec la ville de Hambourg, avec le politique. On s'est aussi impliqué dans l'embellissement de la zone piétonne. On a apporté des idées, mais aussi une contribution financière. On s'est engagé financièrement pour les infrastructures routières, en construisant des carrefours, de nouveaux réverbères, en partenariat avec l'arrondissement. En même temps, on développe à Londres un quartier entier avec des commerces, des bureaux, des logements. On aimerait bien développer ce type d'activité en Allemagne, qu'on pourrait presque appeler du développement urbain. L'apparition de cette nouvelle donne de l'économie urbaine a quelles conséquences pour l'espace urbain et pour ses habitants à qui il semble échapper? Et ce qui est en jeu aujourd'hui pour moi, c'est que le politique est de moins en moins correctif puisqu'il accompagne le marché. Donc la grande question que posent les villes, c'est est-ce qu'elles peuvent être aussi un élément de refaire du politique en dessinant des territoires autrement, en organisant les pratiques autrement et en ramenant à la démocratie. Donc l'urbanisation est d'autant plus intéressante à scruter qu'elle nous oblige à réfléchir sur le devenir démocratique du monde qui, à mon avis, n'est pas sans poser des interrogations. Hambourg, la ville la plus riche d'Allemagne, est une ville vitrine en pleine rénovation. Les tensions sont fortes dans les quartiers populaires visés par le renouvellement urbain. Le mouvement du droit à la ville regroupe plusieurs initiatives d'habitants qui luttent contre les conséquences de cette dérive de la ville rentable. La hausse des loyers, les évictions des habitants les plus pauvres des quartiers dits « à valoriser », la confiscation des espaces publics. Nils habite San Paoli depuis 16 ans. Il fut l'un des premiers à adhérer au mouvement dès qu'il a observé les conséquences de la rénovation de Hambourg sur son propre quartier. Nous sommes nombreux à participer depuis 2009 à ce réseau du droit à la ville. Le droit à la ville, c'est un concept issu de la pensée d'Henri Lefebvre dans les années 60. Cela pose la question, à qui appartient la ville ? Et évidemment, on sait aujourd'hui que la ville n'appartient pas à ceux qui habitent dedans. Mais la ville appartient à des investisseurs, des propriétaires fonciers, des autorités.
Cela a pour conséquence que ceux qui décident, ce sont seulement ceux à qui appartient le sol et le foncier. La revendication du mouvement du droit à la ville, qui n'existe pas seulement à Hambourg, est qu'on veut changer cela. On doit d'une manière ou d'une autre, dans les prochaines années ou siècles, tout faire pour que la ville appartienne à tous et introduire une nouvelle sorte de démocratie dans la ville. Une ville qui n'expulse personne car les loyers sont inabordables. Une ville où chacun a son mot à dire. Une ville accessible à tous. San Paoli, le quartier rouge de la ville, est situé non loin du port. Traditionnellement populaire et contestataire, San Paoli est devenu espace de crispation entre les habitants et une mairie qui veut, selon ses termes, requalifier le quartier. San Paoli, c'est un quartier de gauche très indiscipliné, avec beaucoup de gens qui veulent vivre différemment. Et c'est un quartier plutôt très pauvre à l'origine. En 2012, le quotidien anglais The Guardian compte San Paoli parmi les 5 quartiers les plus attractifs au monde. Le Rep Urban, l'avenue emblématique qui traverse San Paoli, est aujourd'hui convoité via un instrument de politique urbaine d'un nouveau genre pour les habitants. Hier soll sich demnächst einiges verändern und eine Veränderung, die ist schon für ganz bald geplant. Und zwar soll hier ein BID entstehen. Das ist ein Business Improvement District. Das kann man auch übersetzen mit Geschäftemacherei Verbesserungszone. Und wenn ihr noch nicht wisst, was das genau ist, dann erkläre ich euch das jetzt mal. Das ist nämlich die Privatisierung von öffentlichem Raum. Die ganze Reeperbahn soll wie ein Einkaufszentrum gemanagt werden. Aus Besuchern sollen Kunden werden. Wir wollen aber gar nicht immer Kunden sein. Und viele von uns können sich auch das Kundesein überhaupt nicht leisten. Love St. Pauli, fuck BID! Les membres du collectif Droit à la ville assistent au changement de visage de leur quartier, aux prises avec des mécanismes silencieux et irréversibles auxquels ils n'ont guère accès. Leurs rues, leurs places, leurs espaces de rencontre, leurs logements sont en jeu. Das Problem ist an der Privatisierung des öffentlichen Raums, also gerade hier in diesem BID-Bereich, ja, dann gibt es einfach Menschen, die können den Bewohnerinnen des Quartiers einen Platzverweis erteilen. In ihrem eigenen Viertel. Es ist halt schon passiert. Es gibt ja dieses BID am Neuen Wall. Mhm. Und da war es ja 2006 so, während der WM, da wurden Platzverweise erteilt an Bettler, an Obdachlose, die sich da aufgehalten haben. Und da ist ja auch zum Beispiel auf diesem Spielbudenplatz stehen ja diese großen Bühnen. Und da, da wurden so Nassspritzanlagen eingebaut in die Dächer, um Obdachlose nass zu spritzen, sich da aufgehalten haben. Zum Glück wurde das irgendwann eingestellt, weil es einfach zu eklig war und die Leute dagegen protestiert haben. Und vorgeschoben ist ja immer dieses angebliche Müllproblem. Aber hier, du hörst aber von vielen Leuten, die hier wohnen, also dass sie wirklich sich immer wieder darüber aufregen, dass es dreckig ist. Klar, weil diese natürlich. Seitenstraßen manchmal dreckig sind. Aber das kann ja kein Argument dafür sein, dass man diesen Raum privatisiert, weil wenn es hier ein Müllproblem gibt und ein Dreckproblem, dann muss das der Bezirk lösen mit der Stadtreinigung zusammen. Dazu brauchen wir ja kein BID, um irgendwie das zu machen, wofür die Stadt da einfach verantwortlich ist. Das wird ja immer so suggeriert, Mensch, freut euch doch. Ja, die Stadt zahlt keinen Cent oder ganz wenig und die machen euch das doch hübsch. Und dieses, die machen euch das doch hübsch, bedeutet auch, und jetzt haltet schön die Klappe. Ja. Das finde ich daran so fatal, ja. C'est du côté de l'Allemagne que le modèle anglais du BID a essaimé en premier. Au fil des années, le centre de Hambourg se quadrille de ces BID. On en compte 11 aujourd'hui dans la ville-État. Jetzt ist die Frage, wie
Maintenant, on se pose la question, comment est-ce que les deux intérêts se rejoignent? Quand est-ce que cesse l'intérêt économique et où commence l'intérêt des habitants? Beaucoup sont très sceptiques en ce qui concerne les Business Improvement Districts, ce que je peux comprendre. Mais c'est le seul instrument qui existe pour que les propriétaires fonciers participent au coût pour certaines choses. Pour la ville, il y a l'avantage que la qualité de l'espace public est améliorée, tout cela payé par le privé. On attire les intérêts des propriétaires fonciers pour en même temps soutenir un petit peu l'intérêt public. Béton lisse, chaussée rutilante, mobilier urbain et agrément arborifère, les rues du BID du Neuerwall, fondées en 2006, scintillent d'enseignes et de boutiques de luxe ou de zones commerciales avec les services spécifiques de ces îlots organisés par les propriétaires fonciers. Ici, les agents de sécurité se font délateurs et transmettent directement à la police tout ce qui leur paraît nuire au bon ordre du BID. À San Paoli, la surface du futur BID du Reeperbahn englobe nombre d'habitations dans un espace public chargé de mémoire. Urbanistes et membres fondateurs réfléchissent à des stratégies de valorisation du quartier avant l'ouverture prochaine du BID. Was ist das eigentlich? Das alte St. Pauli. Und was kann man eigentlich rüber retten und was ist eigentlich längst Vergangenheit? Früher waren die Schiffe, die im Hamburger Hafen waren, die ganzen Matrosen sind von Bord, haben sich zwei Tage, drei Tage auf der Reeperbahn auf dem Kiez vergnügt, sind wieder auf ihre Schiffe. Heutzutage geht keiner mehr von den Schiffen runter. Allein das ist schon eine Verdrängung. Aber man muss eben auch gucken, dass es einfach ein gutes Rotlichtmilieu ist, ein vernünftiges, wo man auch sagt, okay, ich kann in jedes Geschäft, was auf dem Kiez ist, egal was, kann ich bedenkenlos Gast sein und bin überall herzlich willkommen und brauche auch keine Angst haben, dass ich hinterher mit leeren Taschen da rausgehe. Also das ist wichtig. Als wir das erste Mal über Marketing gesprochen haben, das ist ja auch schon eine Weile her, da war ein wichtiger Anstoß für die IG St. Pauli, dass sie sagte, in der Tourismuswerbung, in der Vermarktung kommen wir eigentlich nicht so richtig vor. Es gibt unheimlich viele Besucher auf der Reeperbahn, aber weniger zahlende Gäste sozusagen. Das heißt, das sind die Gaffer, die Seeleute, ist der bessere Ausdruck, die vielleicht noch einen Euro zahlen, um in den Sexshop reinzukommen. Und das ist, glaube ich, nicht mehr im Interesse der Entwicklung, die man eigentlich anstrebt, oder? Was Stadtpolitik? La politique de la ville, depuis les années 80-90, favorise la notion de concurrence. On parle de métropole entrepreneuriale. Il faut rendre la ville attractive pour les hommes d'affaires, pour les propriétaires, pour ceux qui paient des impôts, pour ceux qui veulent y installer des entreprises. Et ceux qui n'apportent pas d'argent, les SDF, les jeunes, les vieux, ils sont considérés comme inutiles. Et donc, dans l'espace public, on n'en tient pas du tout compte. Pas autant que ce serait nécessaire. Les BID sont l'expression de cette politique entrepreneuriale qui a lieu dans presque toutes les grandes villes depuis les années 90. Alertée par les dernières manifestations et les débats en cours dans la ville, l'université organise une confrontation entre les organisateurs du BID et les habitants. Ja, und welche Vorstellungen von Stadt stecken denn jetzt hinter dem BID? Wir würden gerne noch mal ein bisschen Nachhilfe geben, wenn Sie von dem Begriff Disneyfizierung noch nichts gehört haben, was das bedeutet. Das ist nämlich schon ein fester Begriff in der Stadtplanung und Architektursoziologie. Da geht es um die Einrichtung von Themenparks, Disneyfizierung. Das heißt, man schafft eine nicht reale Scheinwelt, wo soziale Probleme und Pluralitäten der Stadt ausgeblendet werden. Es ist einfach ein anti-urbanes Konzept. Es finden keine zufälligen Begegnungen mehr statt. Branding. Homogenisierung, choreografierte Erlebniswelten und kurz Anti-Urbanität. Und zwar sind das diese roten Ladies, die so Pole-Dancerinnen, die sollten mal also eigentlich ursprünglich zum Maskottchen der Reeperbahn werden. Ich zitiere mal den Spiegel dazu. Wenn ein paar sexistische Kackschilder das sind, was von St. Pauli nach der Säuberungsaktion durch den BID übrig bleibt, na dann gute Nacht, Hamburg. Warum die Anwohner generell in dieser ganzen Konzeptphase
von Anfang an überhaupt keine Rolle spielen. Also wenn ich mir diese 40-seitige oder wie viel das waren Präsentation anschaue, taucht das Wort Anwohner zum ersten Mal auf Seite 10 oder 15 auf. Und dann noch einmal. Ja, es werden Besucher gefragt und Gewerbetreibende. Nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich ein Stadtteilentwicklungstool, dieser BED. Und daran angeknüpft, was soll das den Anwohnern bringen? Und nicht nur den Gewerbetreibenden. Was habe ich davon, der ich da wohne? Nichts. Das würde ich gerne mal wissen. Was könnten Sie mir versprechen? Oder in Aussicht stellen? Verspreche ich gar nichts, weil ich habe dieses Instrument des BED nicht erfunden. Also da hätte ja, man. Aber Sie müssen sich ja auch was irgendeine Vorstellung haben, sonst würden Sie sich ja nicht damit beschäftigen. Also bei der Entwicklung des Konzepts BED in der Lenkungsgruppe sind Bewohnervertreter sozusagen mit vertreten gewesen. Wo kamen die denn her? Also ich meine, nur mal zu der Auslegung. Nirgendwo im gesamten Stadtteil war das angekündigt. Es gibt sonst Plakate, wenn da irgendwelche Bezirksveranstaltungen sind. Haben wir doch alles erlebt. Ja, ob das die tanzenden Türme waren. Wo hat das gestanden? Wo wurde das in den Stadtteilen bekannt gemacht, dass man da hätte hingehen können? Es hat eine Plakatierung gegeben, vor der Veranstaltung, die wir in... Nee, bei der Auslegung jetzt nochmal, wo man Einspruch einlegen konnte. Weil Sie ja meinten, wenn 100 Leute was gesagt hätten, wäre das da eingeflossen. Das nur die müssen das ja wissen. Das Verfahren der Auslegung richtet sich eben nur an die Grundeigentümer. Das ist so. Ich habe es ja nicht erfunden. Ja da ist aber das Haken, kann man auch kritisieren, aber... Das kritisieren wir. Ja, nur... Ich das bin die ist falsche schön, Adresse. In Frankreich gab es in Paris des 19. Jahrhunderts einen ähnlichen Konflikt und eine ordentliche Weichenstellung zwischen militärischer und Stadtplanung und Verschönerung von Baron Haussmann. Die Pariser haben damals den Begriff des Embolissement stratégique, der strategischen Verschönerung, geprägt. Das Ganze hatte aber auch ein ziemliches bitteres Ende und dann führte auf einen ziemlichen Eskalationspunkt zu, nämlich die Pariser Kommune 1871. Wir werden uns auf den Straßen Hamburgs weitersehen. Das ist der Anfang. Le droit à la ville signifie ici je dois défendre le peu d'espace qu'il reste encore et pouvoir exercer mon droit à la ville. Le droit à la ville, c'est aussi celui de décider de l'avenir du développement urbain, ce qui pose ainsi nombre de questions politiques fortes sur la démocratie. Qui a le droit de décider de l'avenir de la ville? Est-ce que ce sont les habitants, ou bien une élite politique, ou encore une élite économique? Et l'avenir de la ville s'élabore bien souvent très loin des habitants. Silencieusement, s'imaginent de nouvelles typologies de villes. En région parisienne, proche de l'aéroport Charles de Gaulle, on projette un morceau de ville commerciale construite sur une parcelle agricole. C'est encore une enseigne de grande distribution qui se place sur le marché de la ville. Auchan élabore l'un des projets phares du Grand Paris, adoubé par le gouvernement et les élus. Synonyme de la ville du désir, selon Nicolas Sarkozy, qui a initié le projet, ou modèle de ville de demain, d'après le Premier ministre Manuel Valls, Europa City nourrit des fantasmes de démesure. Au programme, 80 hectares de commerce, de loisirs, de culture saupoudrés de développement durable. Un investissement de 2 milliards d'euros et déjà quelques références. La Tour Eiffel, le centre Georges Pompidou en leur temps, ce projet aujourd'hui, qui est un projet pour 2020 et au-delà, s'inscrit dans cette même filiation d'une grande utopie urbaine qui peut devenir réalité et qui peut vraiment changer le paysage qu'on peut avoir aujourd'hui de l'Île-de-France et du Grand Paris. Auchan a choisi ses architectes à la hauteur de ses ambitions. L'agence s'appelle Big et son siège est à Copenhague, la ville phare en matière d'espace public en Europe. Les architectes jouent avec l'ambiguïté. Est-ce un môle à ciel ouvert ou une ville? This complete mix of the retail and the culture and the leisure. I mean, the moment where the shops are so integrated in it that it becomes impossible to define where one ends and the other begins. C'est pas du tout un môle. Un môle, pour reprendre cette définition, un môle, à la fois c'est monofonctionnel. Et c'est fermé. C'est une boîte fermée, chauffée ou climatisée. L'objectif est la taille du projet, 80 hectares, c'est la taille du quartier historique de la Défense. On est bien sur un morceau de ville.
On a cette idée d'une distinction nette entre un centre commercial et une vraie ville. Mais nous croyons que cette ville est réelle, car elle en a toutes les qualités. Il nous faut arriver à créer des rues, à créer un maillage, créer des espaces ouverts, créer des parcs, créer des îlots. Il faut aujourd'hui créer de nouvelles typologies de lieux. Et en cela, le projet Europa City est aussi un laboratoire pour l'ensemble du groupe Auchan. Bien qu'il n'y ait pas d'habitants qui occupent les parcelles de cette ville, l'expérience sera la même que celle d'une vraie ville. Un type de ville que vous n'avez encore jamais vu. Ce modèle de la ville de demain brouille encore plus les pistes entre espaces publics et privés. Le mall traditionnel n'est plus en vogue et il faut y ajouter quelque chose. Le fun shopping, la consommation récréative est née dans une architecture de ville factice. Tendance déjà très affirmée en Europe, dans ces malls, on y flâne comme en ville, au milieu de simulacres d'éléments urbains, places, avenues, rues. Il n'en demeure pas moins un lieu privé, normé, surveillé. Au bout du compte, que fait l'architecture ? L'architecture de la ville reflète les réalités politiques et socio-économiques de la ville. Cette propagation de ces environnements privés, non démocratiques, reflète simplement le fait que notre société est de moins en moins démocratique. On ne vit plus dans une société démocratique, et l'espace public nous l'exprime. Fin mai 2013, la place centrale d'Istanbul, Taksim, s'embrase. À la pointe orientale de l'Europe, des milliers d'habitants refusent de voir leur espace public se métamorphoser à l'image d'un modèle de société imposé. Le premier ministre Tayyip Recep Erdogan décide de raser les arbres du parc Gezi qui jouxte la place pour le remplacer par trois projets urbains qui résument bien l'ordre moral de son parti, l'AKP. Un gigantesque centre commercial, une grande mosquée et la réplique d'une caserne militaire de l'Empire ottoman. L'occupation durant trois semaines de la place Taksim et du parc Gezi marque le début d'une révolution urbaine à l'échelle de la ville, catalysant toutes les frustrations et la défense de l'espace urbain face au régime autoritaire du Premier ministre. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Efendim, Erdoğan diktatör. Vallahi ben bu milletin efendisi değilim. Diktatörlük benim kanımda yok, cibiliyetimde de yok. Ben bu milletin hizmetkarıyım. Trois semaines après Occupy Gezi, qui a donné lieu à de sévères répressions avec 5 morts et près de 8000 blessés, un tribunal d'Istanbul invalide le projet d'aménagement de la place. Une mobilisation populaire, en partie spontanée, a réussi à faire échouer un projet urbain, mais la politique des grands travaux du gouvernement s'accélère. Erdogan, ancien maire d'Istanbul, se voit en bâtisseur. Istanbul doit se hisser à hauteur des plus grandes métropoles mondiales. İstanbul için çılgın proje. Başbakan Erdoğan aslında uzun bir süredir bir şekilde sinyallerini veriyordu. Dün temeli atıldı. Türkiye için, İstanbul için büyük gündü. Üçüncü havalimanı dünyanın en büyüğü olacak. İlk etabı da 29 Ekim 2017'de açılacak. Dönelim İstanbul'a. Bugünün en önemli olaylarından bir tanesiydi. Üçüncü köprü temel atma töreni yapıldı. Başbakan Erdoğan da o törendeydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de o törendeydi. La collusion entre les entreprises du BTP et le pouvoir politique est la clé de voûte d'un système économique qui repose essentiellement sur une urbanisation galopante. 6 millions d'immeubles sont prévus, 150 malls sont en construction, en plus d'une centaine existants, dans un étalement urbain incontrôlé. L'économie turque a vraiment besoin du secteur de la construction pour se maintenir en vie. Donc ce secteur de la construction, avec toutes ses ramifications, représente à peu près 30% de l'économie du pays. Donc on parle vraiment là d'un moteur, un peu comme en Chine. Donc le but, c'est vraiment de maintenir cette machine, que la cavalerie continue à avancer. «
ni les mairies, ni l'État ne sont plus garants de la qualité de l'espace urbain, de ses rues, places ou squares. Et ils participent main dans la main avec les opérateurs privés au renouvellement brutal de quartiers entiers. L'Assemblée nationale en Turquie est composée beaucoup d'hommes d'affaires. Enfin, la référence à l'intérêt public dans la politique urbaine n'est pas une référence très fréquente. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'étais à une petite conférence, il y avait un maire d'arrondissement, et c'était autour des espaces publics. Et le maire d'arrondissement expliquait très clairement que, dorénavant, l'aménagement d'espaces publics n'était plus de son ressort, qu'il avait des partenaires, donc des groupes privés qui faisaient ça très bien. Dans le centre, des quartiers historiques entiers sont détruits, signant des évictions en masse des populations les plus fragiles. En 10 ans, la valeur de ce quartier a été multipliée par 40. 40. Lorsque nous regardons Dubaï, le même phénomène se produit. Là-bas, il y a un pouvoir stable. Les investissements déjà engagés donnent confiance aux investisseurs. Aujourd'hui, la même chose arrive à Istanbul, comme un effet de mode. À Istanbul, ceux qui investissent ne perdent pas. Les collines qui bordent la mégalopole de 13 millions d'habitants sont la cible des promoteurs, toujours en quête de terrains disponibles. Construites en masse depuis les années 50, ces habitations informelles sont une mosaïque de Gece Kondu, littéralement posée dans la nuit. Le but du gouvernement, les rayer de la carte, afin de construire de nouveaux quartiers pour les classes aisées. Ici, dans ce régime autoritaire, l'enjeu n'est plus l'espace public, mais la défense d'un quartier et du droit de ses habitants de continuer à y vivre. À Derbent, le plus ancien quartier de Gece Kondu de la ville, plus de 2000 maisons sont menacées de destruction, dont la maison d'Ismail, qui est née ici. Le quartier est aux aguets et se mobilise dans la défiance des promoteurs, mais aussi du gouvernement. Kaç kuşak geçti? 3 kuşak geçti. 3 kuşak geçti ya, tabii ya. Yani o yüzden... Ne diyorum sana ya? 69'da geldim ben. Sen de düşün. Bebek yine. Çünkü burada herkesin bir hakkı var. Çoluk çocuğumuzun hakkı var. Geleceğimiz tabii burada. Ya, ben burada mücadele etmişim. Ben bu evi yapmışım. Sen ne oraya, savaşlar verildi. Sen oraya alırken bedava almadın ki. Yani. Parasını ödedin. Herhalde. Devlete gittin. 2 bin liralık makbuz ödedin. Mesela belediye alanında oturanlar... Hala ödüyoruz. Hala ödüyorsunuz. Hala ödüyoruz. Hala ödüyoruz. Vergini ödüyorsun. Emlak vergini ödüyorsun. Tabii çevre... canım. Temizlik vergisini ödüyorsun, her şeyini ödüyorsun ama burası senin değil. Olmadı. Böyle bir şey yok. Şey yapan, temsil edecek bir kooperatif kurduk. Şu anda da hemen hemen halkın %90'ını bir temsil ediyoruz. Yani tek bir şansımız var abi, samimi söylüyorum. İnanın bu Derbent eğer biz tek çatı altında toplanmazsak, güç birliği yapmazsak bizi parçalarlar. İllak. Son bir yıldır Derbent'i riskli alan ilan ettiler. Bizleri buradan alıp başka yerlere... götürmek istiyorlar. Biz de mücadele edip kendi yerimizde yaşamak. Dire qu'un quartier est situé dans une zone à risque sismique et que les habitats ne sont pas aux normes est l'argument premier des services publics pour mener leur futur projet d'aménagement. Le tremblement de terre d'Izmit de 1999 reste dans les esprits. Ce traumatisme national sert d'alibi pour déloger rapidement et parfois abusivement les habitants des quartiers des Gece Kondu. Vous tirez un trait là et vous dites « là, c'est une zone à risque ». À côté, vous avez le même genre de construction, mais vous n'y touchez pas. C'est une loi complètement arbitraire. Nous sommes face à un nouveau régime juridique. Car ici, l'important, ce n'est pas la résolution des problèmes des habitants, mais la réalisation des objectifs et des intérêts des investisseurs. Nous sommes face à une loi opérationnelle inventée de toutes pièces. Avec cette loi sur les catastrophes, 70% d'Istanbul a été déclarée zone à risque avec droit de préemption. Les habitants du quartier de Derbent cherchent des outils juridiques pour défendre leur droit de vivre dans leur quartier et protéger la vie de la communauté et ses habitations. Il leur faut prouver que l'argument sismique n'est pas recevable. Ve bunlar birlikte yürütüyorlar davaları falan anladığım kadarıyla. Yok, bizim davalarımız bizle alakalı direkt. O saydığım tüm davalar bize her türlü desteği veriyorlar. Ama davalar tabii işbirliği yapıyor ama davalar direkt Derbent'le alakalı hepsi.
Ben sadece hani şey söyleyeyim, bir hem afet alanı ilan edilmiş. Geliyoruz. L'émission Metropolitica de la radio indépendante Adjik Radio est consacrée aux luttes urbaines depuis les événements de Gezi. Kurulu mahallelerimizi bizim mevcut izlediğimiz Türk filmlerindeki gibi işte ben bu köyü alıyorum, satıyorum anlamında bizi satın aldılar efendim. İnsanlarıyla birlikte maalesef. İnsanlarıyla birlikte maalesef, şu an onların marabalarıymış gibi bizi satın aldılar. Şimdi genellikle zaten bugünkü dönüşüm modelini şekillendiren bu müzakere ortamına girebilenler. Yani kim giriyor? Büyük sermaye. Siyasetçiyle kim görüşebiliyor? Yatırımcı, spekülatör gibi geliyor. Biz bana. En son geçen hafta bir İBB Emlak Daire Başkanı ile bir görüşme yaptık, yapıldı. Yönetimimiz, dernek ve kooperatif yönetimimiz. Orada biz şunu ilettik kısaca. Biz Derbent halkı her zaman çözümden yana. Çözümü istiyoruz. Derbent halkı... Tek tek gelin diyorlar değil mi? Evet. Diyor ki belediye başkan yardımcısı ya da belediye başkanı. Öyle hepiniz birden gelmeyin. Ben tek tek sizin sorunlarınızla ilgileneyim. Bu o kadar ilginç bir yöntem ki. Evet. İnsanları böyle tek tek, yani tenhada sıkıştırma yöntemi. Metropolitika. ...60% des lois promulguées en 2013 concernent la transformation urbaine ou comment faciliter en toute légalité les expropriations, les évictions et les relogements à la va-vite. L'État crée ainsi ses propres leviers juridiques pour dessiner une ville métropole où tout habitat informel aurait disparu. Bizim de Derbent'e... Ici à Derbent, ils ne nous disent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Mais ces constructions sont le vrai visage de la transformation urbaine. À Derbent, ils veulent faire des immeubles où chaque appartement vaut des millions de dollars. Mais ce qu'ils ont en tête n'est pas de construire des maisons pour nous. Leur but, c'est de vendre aux riches, aux étrangers, des appartements à 2 ou 3 millions de dollars dans ces villas que vous voyez là. Voilà ce qui nous attend. Istanbul se recouvre inexorablement d'une multitude de gated communities, résidences sécurisées de haut standing. Ce type d'habitat est désormais standard dans la périphérie d'Istanbul. Il n'y a pas de plus beau paysage à Istanbul. Le Bosphore est à vos pieds. Ce qui m'impressionne beaucoup dans ce projet, c'est qu'il amène à vos pieds le Bosphore, l'un des plus beaux paysages d'Istanbul. Ici, nous offrons aux gens la possibilité de vivre selon un concept de vacances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons ici des gens qui se ressemblent, avec le même style de vie, et qui aiment passer du temps ensemble. Ils ne ressortent pas une fois avoir regagné leur foyer. Nous offrons aux habitants du site une vie avec de la sécurité. Personne d'autre que les invités autorisés par les propriétaires ne peut rentrer dans le site. Nous avons tout profil de clients. Des élèves, des professeurs, des médecins, des pilotes, des hôtesses de l'air. Ce modèle se diffuse dans l'ensemble du corps social jusqu'à toucher les classes moyennes. Habiter une gated community est avant tout l'affirmation d'un statut. La ville se transforme en une mosaïque d'enclaves fermées. En Europe, on a cette image des gated communities qui s'adressent uniquement à des classes extrêmement favorisées. Mais en Turquie, depuis le tremblement de terre de 1999,
Il y a eu tout un marketing de la ville qu'on a diabolisé, et la cité fermée ou la gated communities a toujours été présentée comme le modèle qui apporte la sécurité sismique, mais également une protection vis-à-vis de la ville qui est diabolisée. Or, quand on regarde un peu les statistiques et les recherches, c'est une ville, enfin Istanbul en tout cas, est une ville avec un taux de criminalité extrêmement bas, qui ne justifie en rien ceci, mais c'est uniquement, je dirais, une sorte de marketing qui tend à offrir aux clients l'illusion d'un luxe. Il y a une sorte de reniement de la ville aussi, où toutes les fonctions, je dirais, de consommation et de temps de loisirs peuvent se passer au sein de votre complexe. Donc vous ne devez plus sortir pour utiliser la ville à l'extérieur. Et je dirais, les quelques fois où vous utilisez la ville, c'est au volant de votre voiture pour aller à votre lieu de travail ou dans un autre complexe fermé qui est peut-être le shopping mall de l'autre côté de l'autoroute. En plus des lois antisismiques, l'État a créé une institution sous la responsabilité directe du Premier ministre, Toki, véritable machine à éviction express qui a tout pouvoir de vendre des terrains publics à des promoteurs privés dans la plus grande opacité. Toki est sans doute l'acteur le plus dangereux pour le paysage urbain à Istanbul et dans toute la Turquie. C'est une agence de logements sociaux donc liée au gouvernement qui a été fondée en 1984. Pour un peu arrêter le phénomène de Gece Kondu et donc cet étalement urbain à contrôler. Les premières années de cette agence ont vu effectivement la construction de quelques projets de logements sociaux, mais depuis quelques années, on voit apparaître des phénomènes de coopération entre des promoteurs privés et cette agence pour créer des projets qui s'adressent plutôt à des classes supérieures. On l'a doté de quelques outils légaux qui permettent d'exproprier rapidement et à bas coût. Et une fois que Toki entre en action, on peut être sûr que le projet arrive à ses fins parce que Toki est une machine incroyable qui fait aboutir tous ses projets. Kapımıza dayandılar. Mahallemizi yıkmaya geldiler. Bugün Sulukule, yarın Balat, Ok Meydanı, Tarlabaşı, Gezi Parkı. Comme à Derbent, 120 quartiers sont visés à Istanbul par la transformation urbaine. Près de 100 000 habitants ont leur habitation menacée. Sulukule, au centre historique de la ville, est un quartier rom depuis des siècles. Il est l'un des premiers en 2005 à être labouré par les bulldozers à l'initiative de Toki. Les habitants de Sulukule ont été relogés à une quarantaine de kilomètres de là, dans des blocs Toki, loin de leur travail et de leur vie communautaire. Le but n'est pas de dessiner un paysage urbain, de planifier la ville, mais de construire le plus possible. En centre-ville ou en périphérie, Toki, organisme d'État, devient le plus puissant promoteur du pays. Le béton inonde la ville. Des tours comme celle qu'on voit derrière créent une forme d'anonymat et finalement créent de la distance entre les gens. Contrairement à une rue qui est irriguée sur toute sa longueur par différentes entrées d'immeubles, ici on a une sorte de vide paysager, comme ils l'appellent gentiment, mais finalement qui est très peu utilisé par les habitants de ces coins-là, parce que c'est un espace qui a une géométrie telle qu'on ne sait, personne ne sait comment se l'approprier. Évidemment, il y a quelques points, je dirais, d'énergie comme la mosquée, le shopping mall, etc., qui arrivent à drainer des flux autour, mais sinon le reste du paysage est toujours comme ça, déserté de toute forme humaine. Il n'y a pas de vie.
Depuis les événements de Gezi, la ville est sous haute tension. En plus des multiples résistances locales aux pressions immobilières, des activistes s'interrogent sur les liens entre dirigeants et promoteurs, pouvoir et circuits financiers, et le système d'imbrication qu'ils tissent par le biais de cartes participatives. Yachar, Sinan et Elif ont tous les trois été actifs lors de l'occupation de Taksim et du parc Gezi. Gezi Parkı'nda bir araya geldik. Bir poster yaptık. İşte parkta buluşacağız. Mülksüzleştirme ağları ile ilgili çalışmak isteyenler. Bunları kim yapıyor? Bu projenin arkasında kim var? Dendi. Ben, yani hani çok net örneklerden işte kamu şirketi, TOKİ Başbakanlığa bağlı ve hani kurulan ortaklıklar. Yani doğrudan bir zaten özel ve kamu aktörleri arasında kurulan bir ortaklık var. Hani nasıl bir ortaklık? Hazine toprağını, TOKİ diyor ki gel burayı sen geliştir, karını paylaşalım diyor. Yani bütün usulsüzlükleri yapabilirsin. Yani çünkü senin şeyin sahibin zaten o. Hiç çekinmiyorlar bunda. Evet, genelde Avrupa'da devlet içi ise arada bir yatırımcıları biraz frenlemeye çalışırken burada bayağı böyle bir... motoruna yağ dökerek makineyi hızlandıran bir sistem var. Yani. Bu toprak kaynağını sınırsız bir iktidarla birleştiriyorsun. Çünkü hani planlama, işte kimin nerede kalacağını, kimin hak sahibi olacağını vesaire vesaire belirleyebiliyorsun. Dolayısıyla hani şey gibi SimCity oynar gibi istediğin gibi şehri değiştirebiliyorsun. À Derbent, Ismail et ses voisins ne cessent pas leur mobilisation. Ils viennent d'apprendre que le maire de l'arrondissement a réussi à convaincre 40 familles de quitter le quartier pour laisser la place aux promoteurs. La suspicion entre mairie et habitants est à son comble. Dediğim için tabii özellikle vurguladığım şey de bu çalışma yaparken daha bize görüşmeden biz de daha planların detayını bilmiyoruz. Resmi olarak bize herhangi bir evrak gelmedi. O nedenle rezerv alanına girip çalışma yapmayın. Çünkü biz Derbent olarak rezerv alanı kabul etmiyoruz. Taksit ödedik. Biz işgalci değildik. Bizim buraya gelip izahülüşüyle kandırarak alınarak mağdur edilen halk biziz aslında. Asla biz işgalci değiliz. Ama kaygılarımız var mı? Var. Bizim haklarımızı, gerçekten haklarımızı. Bu akşam saat 8.30'da kooperatif binamızda bilgilendirme toplantımız vardı. Lütfen herkes katılsın. Au cas par cas, maison par maison, les habitants tentent de prouver que la loi antisismique n'est pas recevable pour les expulser de leur quartier. Burada herkes elinin tırnağıyla bu işi yaptı. Belki de köyünden gelirken hayvanlarını satıp buraya bedel ödedi. Onun için ne ben ne de başkası bugüne kadar söyledim. Hiç kimse sizin evinizin üzerinden pazarlık yapmasına müsaade etmeyin. Evet, karşımızdakiler belediye, evet karşımızdaki kurum. Ama bizim de haklarımız var. Bizim de kanunu yönünde haklarımız var. Biz bu mücadeleye başladığımızda mahkeme kararlarını çıkartırken, tek tek dava açarken herkes hayal kuruyorsun demişti. Ne oldu peki? Açtığım mahkeme kararları yönetim kurulları, dernek ve kooperatifin ve vatandaşın açtığı yönetim kurulunda dahil halkın açtığı davalar %85'i şu anda yürüyor. Biz bu davaları açmasaydık,
Biz bu bilgi edinme yasalarına talep etmeseydik, inanın Derbent üzerinde çok büyük oyunlar oynarlardı. Biz 1894 adet dilekçeyi bir gecede topladık ki işte bizim başarımız budur. Derbent bu kadar kolay teslim olmaz. Au fil des mois, les habitants ont pu prouver qu'il n'y avait aucun rapport scientifique officiel et reconnu établissant que Derbent était une zone à risque sismique. Une dizaine de maisons sur les 2161 que compte le quartier sont pour l'instant protégées. Les premiers procès gagnés constituent le premier cas de jurisprudence en Turquie à enrayer l'un des plus puissants leviers du pouvoir pour asseoir sa politique urbaine. L'exemple turc est extrême en Europe. Le tandem pouvoir-promoteur dessine une ville morcelée où les habitants sont les grands absents de la transformation urbaine et du dépeçage de la ville en zone de séparation, ségrégée. Comme à Derbent, l'usage du droit peut-il protéger nos espaces urbains et replacer l'habitant au centre des enjeux de cette fabrication de la ville ? En Europe, des outils existent pour que les habitants prennent la parole et aient la capacité d'influer sur la mise en place de projets urbains. À Berlin, l'île verte au centre de la ville devient un terrain d'expérimentation démocratique. Le parc de l'ancien aéroport de Tempelhof a été défendu par une pétition citoyenne afin de contrer un projet d'aménagement urbain. Schön leserlich, damit die Stimme auch zählt. Die prüfen jede Stimme. Après une longue et vive campagne et la récolte de milliers de signatures, les habitants ont pu bénéficier d'un référendum citoyen, le total des signatures dépassant les 7% du corps électoral. Les habitants ont voté massivement, l'espace est vaste et libre et entend le rester. L'aéroport désaffecté de Tempelhof, au centre de Berlin, est un très bon exemple d'usage ouvert et libre, d'une surface accessible à tous, où quelque chose a pu se développer. C'est un moment de participation au développement de la ville qui est une alternative à son économisation. Dans certains pays européens, la concertation des habitants fait partie intégrante de l'élaboration du projet urbain. C'est une pratique courante et réglementée, notamment dans les pays scandinaves, en Allemagne ou en Hollande, champions de la participation en Europe. Comment créer un dialogue vertueux entre politiques et urbanistes, promoteurs et citoyens, dans la fabrique de la ville au long cours ? En France, Frédéric Bonnet travaille à concevoir des espaces publics réussis en s'appuyant sur un dialogue avec les habitants. L'idée d'un espace qui est partagé, qui est en commun, quoi, ça a du sens encore. L'espace public, c'est un lieu qui peut être apaisé, comme on dit maintenant, c'est la mode. C'est-à-dire où les relations entre les gens, il y a une certaine civilité. Mais c'est aussi un lieu de conflit, et c'est bien que ça reste un lieu où la disposition spatiale oblige les gens, justement, à être civils, et où c'est pas la norme qui prédéfinit des usages, mais où les usages en fait s'organisent de manière sociale, on va dire, entre des gens qui peuvent avoir des intérêts, des vitesses, des modalités différentes et qui partagent justement les choses. Ce qu'on voit très bien, nous on fait beaucoup d'espace public comme architecte, quand on fait de la concertation sur l'espace public, tout le monde est très mobilisé. C'est-à-dire que l'espace public, c'est un lieu qui intéresse tout le monde, que tout le monde reconnaît comme sien. De la place, c'est la en 2012, l'agence Obras de Frédéric Bonnet gagne le concours de réaménagement du quartier des Isards en périphérie de Toulouse. Tous les espaces publics sont à redessiner et à revoir. Et c'est vrai que leurs espaces publics, les pauvres, c'est catastrophique.
Donc, ça fait 20 ans qu'il s'est rien fait. Les espaces publics n'avaient pas été pensés, et surtout pas pensés comme espaces publics en réalité. C'est ça que c'était de la voirie, ce qui n'est pas pareil. Exactement. Passer les bagnoles, c'était de la voirie. Ça ne fait pas de l'espace public. Exactement. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des successions d'aménagements incohérents, d'interventions non coordonnées sur un espace déqualifié, mal maillé, où la voiture était reine, fait qu'aujourd'hui, l'espace est complètement inadapté. Comment faire pour que le quartier corresponde le mieux aux souhaits de ceux qui y habitent, tout en y intégrant les impératifs de chacun des acteurs? La mairie de Toulouse propose d'organiser une concertation citoyenne afin de collecter les diverses propositions. Un des enjeux forts quand même, c'est comment on fait pour fabriquer un débat public, citoyen, mais c'est un mot un peu creux. Enfin, on comprend ce que ça veut dire, mais dans la pratique, c'est très difficile en fait. Parce qu'on a un peu perdu la culture de la citoyenneté engagée, quoi. La participation des habitants et la concertation figurent dans toutes les lois françaises depuis une trentaine d'années. Mais elles ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que c'est toujours les 3-4 mêmes habitants qui viennent, parce qu'ils sont au courant des réunions, parce qu'ils sont retraités. Les praticiens, architectes, urbanistes, paysagistes ne sont pas du tout formés à la participation. Ils n'ont pas de cours dans leur enseignement. Donc, ils bricolent un peu comme ça. Ils font appel du reste à des communicants, de plus en plus à des sociétés qui viennent animer. Donc déjà, on commence par l'animation, après on va réanimer. Donc ça va être terrible. Et puis, les élus, y en a qui, généreusement, ils consacrent beaucoup de soirées, mais ils sont un peu déçus, un peu abattus. On parle parfois de réunions de tête blanche pour désigner ces réunions de concertation souvent considérées comme des passages obligés. Allez, on s'assied, on va commencer. Ça va pas tarder. On va commencer tôt pour finir tôt. Frédéric Bonnet les intègre fortement à son travail d'urbaniste. Les habitudes, la mémoire, le rapport sensible à l'espace et ses usages sont autant d'outils pour concevoir un espace public réussi et à même de remplir son rôle. On est là. Non, on est là. Moi, j'ai un peu un doute, quoi, sur notre capacité à tout lâcher, à dire, faites le plan, quoi. Faites le plan. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait des plans, on n'y arrive pas tous les jours, donc... Dans la réunion de concertation, il y a toujours la partie où on leur amène, au départ, un certain nombre d'images de référence. Ouais. On présente un peu les différents cas. Donc ça, ils l'auront. On vous a mis un petit document, c'est des idées. Et comme vous avez beaucoup d'idées, on vous a mis des cadres où vous pouvez remplir vos propositions. Ça va être ensuite une base de travail aussi pour aller discuter avec eux, pour leur dire pourquoi on n'a pas forcément fait comme ils avaient fait. Leur expliquer aussi que c'est un métier, c'est notre métier. Vous allez avoir un lexique qu'on va vous distribuer. On a mis quelques mots un peu que nous on trouve un peu techniques et barbares. Merci Annie, tu fais super bien. Moi il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Ouais. C'est quand même très technique ce qu'on leur raconte. Mmh. Ouais. Il y a des termes, je ne sais pas, il y a des gens, ouais. Tu vois, c'est quand même compliqué. Moi, je ne savais pas tant qu'on arrive à montrer des documents comme ça et que les gens interagissent. Donc, je n'abonne pas un peu. Tout le monde sait ce que c'est qu'un mode actif. Bah, maintenant, ils ont compris que actif, c'est quand ils bougeaient. Quoi, oui, donc, d'accord. Ce que je veux dire, c'est pas évident, j'ai horreur de ce mot, moi. Mode actif, personne ne comprend rien. Moi, je ne comprends pas, mode actif, je ne comprends pas. Tu es autant actif dans ta bagnole, hein. Moi, je me disais, mais de quoi on leur parle, ces pauvres gens? Eh bien, écoute, je ne sais pas ce qu'ils en ont retenu, mais enfin, toujours est-il que là, ils ont l'air de suivre. Laisse tomber, ils comprennent. Bon, ok, s'ils comprennent, ça veut dire qu'on est en train de transformer les habitants en techniciens, c'est bien. Non, mais le but aussi, c'est quand même qu'ils avancent après, mode alternatif à la voiture, merci. C'est pas mieux, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est la bibliothèque, ça, c'est la CAF et la Télaposte. Ça serait pas mal, là, le panneau d'affichage. Ça vous dit, là, le panneau d'affichage? Est-ce que tu verrais un ouvrage avec des fleurs sur ces... Non. On ne peut même pas mettre les jardinières maintenant. C'est après du métro, pour mettre les jardinières en vélo, non? Après du métro. Alors, à la sortie du métro. Il est où le métro? C'est vrai que si on rassemble les choses, ça fera peut-être plus venir les habitants. Si on rassemble les choses, un lieu de convivialité. Voilà, oui, parce qu'il y a ça, il y a ça. Il y a des publics différents qui viendront aussi. On veut rajouter les fleurs. Il y a beaucoup de réunions et puis le groupe a tendance à croître. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rejoignent un peu les groupes de travail, qui ont envie de s'exprimer, de dire des choses. Et comme il y a toujours des contradictions, des choses parfois incompatibles qui surgissent, les élus ont dit dès le début, de toute façon, nous, après, on prendra nos responsabilités, puis on choisira finalement, on fera les arbitrages.
on fera la récolte des idées et on verra un petit peu qu'est-ce qu'on co-construit à partir de l'ensemble des synthèses des idées qui auront été formulées. Tu as les élus qui sont hyper... Hyper craintifs. Mais ils craignent quoi, les élus ? Elle voudrait bien qu'on n'ait pas une densité trop dingue là-dessus pour pas... Elle a peur qu'on retombe dans les travers... Mais c'est pas la densité qui fait le problème social. Ils n'ont pas compris la densité. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on leur explique, ils sont quand même, ils ont la dent dure. Hein. On va faire une synthèse de tout ce qui a été proposé par les personnes. Il y a des choses qu'on ne retiendra pas parce que ça coûte trop cher, ou des choses qu'on ne retiendra pas parce que c'est dangereux, ou on ne peut pas mettre ça sur l'espace public. Donc évidemment, à un moment, il faudra que la décision soit prise. Ça a toujours été dit dans la concertation, dès le départ. À la fin, ce sont les élus qui prennent leurs responsabilités. Les élus sont mobilisés personnellement. Ils ne sont pas juste là, de temps en temps, dans un comité de pilotage où ils passent pendant une demi-heure en regardant leur agenda parce qu'ils ont une autre réunion et tout ça. Là, il va y avoir une route. Donc, s'il y a une route, il y aura de la lumière. Là, il n'y a pas de lumière. Là, ça va être tout noir. Non, il faut mettre les jardins partagés là où on fait nos légumes plus près de chez nous. Eh bien oui, mais c'est ce que je dis. Je commence pas à m'énerver. On peut essayer de savoir ce que l'on va dire. Je vois bien comment sont les gens. Et ça marche tous les jours. Justement, les gens, il faut les éduquer. Les gens peuvent changer. Où c'est alors? Dis-moi où c'est. Ça, c'est le petit chemin. Dis-moi où c'est. C'est le petit chemin. Voilà, quel petit chemin? Ici, le petit chemin qui est bien. Mais c'est les brider, en fait, de leur donner des outils et de leur dire, vous me mettez... le dodane, le potelet, la chicane, et vous les positionnez, moi je trouve ça hyper pauvre. On bride l'imaginaire en les mettant en situation d'assemblage d'outils préexistants. Moi j'aimerais bien qu'ils arrivent à se projeter dedans. Il faut les faire travailler sur la qualité des lieux. On va leur mettre une étiquette éclairage non cassable. Le fait que les gens se parlent et parlent de leur quartier entre eux, et pas simplement écoutent quelqu'un qui leur dit voilà ce qu'on va faire. C'est en soi un projet social qui n'a pas forcément de conséquences physiques directement sur l'espace, même si une partie des propositions qu'ils font ont des conséquences physiques directes. Et ça aussi, en soi, c'est une manière de fabriquer des liens entre des gens qui en ont par ailleurs, mais sur d'autres sujets. Et tous ces gens sont restés, tous ces gens sont venus. Et on continue. Et ils reviennent. Et tu ça vois, va de plus en plus vite. Et ça va de ça plus, va en, de plus et en plus. Ils comprennent de mieux en mieux. Mais à côté de ça, là-dessus, ils ont construit un récit. Enfin, ils racontaient un truc, quoi. Ça marche carrément bien, quoi. Non, mais là, on peut encore trouver plein de bonnes idées. La vraie question, elle est en quoi une démocratie urbaine peut être valorisée et ne passe pas nécessairement par une organisation par le haut. Peut-être même que la vraie démocratie urbaine, c'est une démocratie, celle des habitants, hein, bien entendu, c'est une démocratie qui peut buter sur le pouvoir urbain tel qu'il est, mais qui n'a peut-être pas besoin d'être liée au pouvoir urbain. Une démocratie urbaine, au sens le plus fort du terme, elle devrait avoir quelque chose d'un peu autogestionnaire, d'un peu autoproductive, elle devrait être capable de s'organiser par elle-même. Mais moi, je pense qu'il faudrait ne pas avoir peur d'avoir des territoires semi-occupés. En marge des processus de fabrication de la ville, se multiplient des interventions architecturales temporaires, légères, expérimentales. Dans les brèches, interstices, dents creuses, trous de la ville, en bordure d'une place ou au détour d'une rue, les usages sont réinventés. Durant quelques jours ou semaines, des actions locales sensibilisent les habitants de manière ludique à leur environnement urbain. Il s'agit de recréer des pratiques civiques, de retrouver le plaisir de la ville. Se forme alors une résistance douce aux villes standardisées, banalisées. L'habitant reprend sa place dans la ville, dans des idéaux de place publique, partagés. Pour nous, il est important que les habitants se perçoivent comme des spécialistes locaux. Nous disons volontiers « no trust, no city ». Par nos projets, nous voulons rétablir la confiance, donner les outils pour que les gens puissent être actifs, afin que l'espace public se crée.
L'urbanité va avec l'aménité. Et l'aménité, je propage le verbe aménisé maintenant partout. Je dis il faut améniser nos rues, il faut améniser nos quartiers, c'est-à-dire il faut les rendre aimables. Et c'est quelque chose qui montre que la ville sans cesse se renouvelle et qu'on se la réapproprie en permanence. Comment pérenniser ces actions ? Pour protéger l'espace urbain, en Italie, berceau mythique des espaces publics avec son modèle de la petite place et de la ruelle, des citoyens se mobilisent. Depuis 3 ans, suite à un référendum qui marque le retour au service public de la distribution de l'eau et un mouvement d'occupation d'espace, théâtre ou cinéma en déshérence promis à la privatisation, une 50aine de juristes rédige un projet de loi destiné à être présenté au Parlement. Il s'agit de définir précisément la notion de bien commun et ses contours. L'expérience de l'eau a été extraordinaire. On a économisé beaucoup d'argent, parce que sinon, ça aurait été privatisé. C'est une continuité. Nous devons arriver au point où certaines pratiques des biens communs ne seront plus remises en question. Comme aujourd'hui, personne ne remet en question qu'en voiture, on met une ceinture de sécurité. L'elenco attualmente della proposta sono beni comuni tra gli altri. I fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque, l'aria, le foreste e le zone boschive, le zone montane ad alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni, i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la fauna selvatica e la flora tutelata. Le piazze di luoghi di aggregazione urbana. Okay. Va bene? Cette troisième voie, la défense des biens communs, ni publics ni privés, ouvre une forme démocratique nouvelle pour penser la défense de nos villes comme une ressource naturelle. Il se crée donc de nouvelles communautés autour d'une nouvelle typologie de biens. C'est une manière de dire « la ville se produit ensemble ». Aujourd'hui, on a plutôt une tendance globale de l'urbanisation à la non-démocratie, je dirais, c'est-à-dire à l'entre-soi, à l'inégalité, à la dissociation des groupes. Et donc le problème de l'urbanité, c'est, on pourrait dire, reconquérir justement des espaces communs. La fabrique de la ville ne doit pas oublier de quoi les villes sont faites. Par qui elles sont vécues et arpentées dans ces équilibrages où la puissance publique a bien peu de manœuvres. La question de la participation citoyenne et de la réappropriation citoyenne de l'espace public en général, c'est-à-dire en gros de la ville, quoi, c'est lié beaucoup à la question de possibles contre-pouvoirs, en fait, pour rééquilibrer un peu la donne économique. De temps en temps, je plaisante en disant que l'espace public devrait figurer parmi les droits de l'homme. Il paraît élémentaire de pouvoir profiter d'un lieu ou rencontrer d'autres personnes, de pouvoir savoir à quoi ressemblent nos voisins ou les habitants d'une autre partie de la ville, qui font tous partie de la société à laquelle on appartient. Ces mouvements citoyens du droit à la ville, avec les urbanistes et faiseurs de villes engagées, se mobilisent dans toute l'Europe pour conquérir un espace urbain accessible, ouvert, mixte, afin que la ville soit une construction collective et l'affaire de tous. Si, d'ailleurs, cette bannière du droit à la ville, on va vers une plus grande autonomie des citoyens et une plus grande solidarité entre eux, évidemment, je ne peux être que pour. Mais après l'obtention de ce droit à la ville, il faudra bien le transformer en devoir. Voilà, ça serait très bien. C'est la protéger d'elle-même, c'est l'obliger, obliger cette ville à rester une ville.